Réaction mitigée des Sénégalais après le rejet par le Conseil constitutionnel de la décision du président Macky Sall de réduire son mandat de 2 ans. Mardi soir, le président sénégalais a déclaré que le peuple serait consulté par référendum le 20 mars prochain. Une mesure soutenue par certains. Je pense que c'est aussi une manière de montrer au peuple africain en général et à la population sénégalaise qu'il faut avoir du respect aux constitutions de la République. Selon le Conseil constitutionnel sénégalais, la réforme de son mandat en cours souhaitée par Macky Sall n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Pour cet analyste, ce revirement n'honore pas le Sénégal. L'attente de voir le président construire un destin grandiose pour ce pays, évidemment, a été déçue parce que précisément, cela avait suscité un très grand espoir dans le monde entier de voir un président réduire son mandat. Et malheureusement pour lui, il n'a pas su être à la hauteur en se reniant, en ne respectant pas ses engagements. Le chef de l'État sénégalais, qui entend se conformer à l'avis de cette institution, restera donc au pouvoir jusqu'en 2019.